avec attention, Eric, salut, le numéro 112, Yannick Nevillère, le 123, Arnaud Poulicard, le 152, Logan Fourchat, le 129, Nathanaël Boucher, le 163, Emmanuel Guillermo, le 177, Kevin Chotard, le 103, Ronald Le Breton, le 187. On va avoir du combat. On va avoir du combat sur cette manche parce qu'il y a du beau monde. Hein. Ici, il y a du beau monde. Alors attention, ne manquez pas cette manche. Si vous avez quelque chose à faire, attendez un petit peu. Ça part très très fort déjà. Eric, salut. David, la lumière qui fait l'intérieur du virage. Mais déjà, c'est serré là-bas. Attention Yannick qui reste en troisième position, juste derrière Arnaud Poulicain, le numéro 152. Cette manche-là, je vous le dis, elle va être serrée jusqu'au bout, ça va être serré tant qu'il aura battu leur tour de poker. Quelle tactique employée pour l'avant de la course. Ici, et attention, je vous dis que derrière, c'est pas fini parce qu'il y a du beau monde sur cette course. Eric Chalut, il passe. Et tout bon, en tête, encore, peut-être à l'attaque là-bas, dans cette parabole, dans la première parabole. Ouais, ça rentre dans le tour joker ici. Et bien sûr, peut-être la bonne tactique à employer pour revenir sur Eric Chalut, je suis rentré. Il est attention, il ne faut pas aller. Il faut pas aller. Eh ouais, bien sûr, très compliqué, attention, de bien garder sa ligne à la sortie du tour poker. Pour ceux qui ne le prennent pas, ça arrive très très vite. En ligne droite, en sortie de parabole, et salut qui reste largement devant. Par contre, lui, il ne l'a pas pris son tour poker. Eric, il doit prendre son tour poker, tous les deux. Oui, il nous tire avec le numéro 152 en Dominicain, qui sont pour l'instant en troisième et quatrième position. Allez, ça sort. Bon, prenez le coup. Eric Chalut, attention. Il attaque peut-être. Oui, bien sûr. Ça attaque, ça va bouger là. Ça vient très très fort. Oulala, ça va bouger. On est sorti un petit peu large sur cette épingle. Yannick Nevillère à la faveur de cette petite erreur de l'attaché de reprendre la deuxième position. Eric Chalut qui conserve la tête de la course. Juste devant Yannick Nevillère qui a donc été chercher cette deuxième place. Allez, on va faire du tour de ces trois pilotes avec en troisième position. Je vous le disais, Arnaud Poulicain derrière Emmanuel Guillermo qui conserve sa quatrième place. Allez, pas d'erreur. Ici on a pu voir, on a pu assister à une attaque encore à Yannick. Peut-être qu'il va venir tenter de faire l'intérieur. Non, il va rester derrière Yannick. Hein. Il va rester derrière. Attention, Eric avec un petit peu plus de mal dans cette reprise. Là, oula, peut-être sur l'extérieur. Il est sorti un petit peu large. Emmanuel. Il y a une attaque. Oui, bien sûr, attaque de Yannick. Le numéro. Emmanuel et Guillermo qui passent aussi. Et les saluts qui parlent du troisième. Que s'est-il passé? Ils ont pris de tous les deux l'intérieur. Eric qui est sorti un petit peu large. Ils ont donc profité tous les deux. Belle bagarre jusqu'à la fin. Vous avez dit, il ne fallait pas louper. Il ne fallait pas manquer. Il ne fallait rien manquer de cette manche. Bravo. Bravo donc à ces deux pilotes. Yannick, Nevillère et Emmanuel Guillermo qui a réussi à trouver l'ouverture pour passer. Eric Palu. S'il vous plaît, sur vos applaudissements, quand ils vont passer avec le spectacle magnifique Belle Manche qu'ils nous ont offert. Ces trois pilotes, tous ces pilotes, ils ne sont pas que trois, bien évidemment. Mais quelle manche qui nous a été offerte par ces pilotes. Alors qu'est-ce qui s'est passé, pour Eric, peut-être une petite erreur, sortir un petit peu large. Bref, on a vu la bagarre jusqu'au dernier virage, on a la place ici. Hein. La piste est large, on a la place pour l'ouvrir quasiment à n'importe quel endroit. Donc, bravo, bien sûr,